Aujourd'hui, les garçons sont allés en prison parce qu'ils étaient très mal comportés. Mes amis, vous voyez, je suis dans une prison froide et j'ai très froid. Oh, mes amis, et moi, je suis dans une prison chaude et je commence à transpirer un peu. J'ai une roue de la fortune ici et vous pouvez soit obtenir quelque chose de bon, soit quelque chose de mauvais. Par exemple, quelque chose de chaud peut tomber sur la roue pour redisser le gelé ou quelque chose de froid pour qu'il se gèle encore plus. Super, qu'est-ce qu'on attend? Commençons. Voyons ce qu'Odyssée va recevoir en premier. Amis, Odyssée a le piment. Je demande si c'est bon ou mauvais. D'un côté, c'est très épicé, mais d'un autre côté, cela peut me réchauffer. Voilà, Odyssée, mais il faut tout manger. D'accord, à trois. Un, deux, trois. Ouah, ça brûle. Oh, mes amis, heureusement que je n'ai pas eu le poivre, parce que je suis dans une cellule chaude et je serai brûlé à vif. J'ai tout mangé. Cela brûle beaucoup et j'ai un peu moins froid. Madame, enlevez-moi ça. Alors, dis-moi, c'est ton tour. Qu'est-ce que j'ai eu, madame la policière? Toi, t'as du thé chaud. Super. Oh, attendez. Ce qui est génial, c'est mauvais. Je suis dans une prison chaude. C'est vrai, Simon, tu n'as pas de chance. T'es dans une prison chaude et tu vas boire encore plus chaud. J'étais content au début parce que j'aime boire du thé. Mais boire du thé dans une prison chaude, c'est très mauvais. Au moins, c'est dans un beau verre. Oh, oh, je me suis brûlé. Oh, oh, mes amis, j'ai de nouveau froid. J'aimerais bien boire le thé de Simon. Dimon, tu dois tout boire, sinon tu resteras ici pour toujours. Je n'ai pas le choix, je comprends. Oh, 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 j'ai tout bu. Oh, je... Bravo, Dimon, et maintenant c'est au tour de DCR. C'est une boisson glacée qui est tombée. Oui, oui, oui. Non, les gars, je suis dans une prison froide. Et si je bois une boisson glacée, j'ai mal à la gorge. Non, les gars. Ok, tu vas avoir encore plus froid maintenant. T'as 20 secondes pour tout boire. Oh les gars, je préférerais une boisson glacée. Ce serait super. J'ai une cheminée allumée ici et j'ai chaud. Je transpire de partout. Il te reste 3 secondes. 2, 1. Oui, voilà. Bravo, Odyssée, t'as tout bu, t'as réussi. Ouais, les copains, voyez comment je me sens mal. Pour que je me sente mieux, abonnez-vous. Et maintenant, mes amis, c'est au tour de Dimon. Allez, 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 allez. Il a une boisson énergétique froide. Super, super, c'est ça. Ça donne de l'énergie et c'est froid. Ouais, les gars. Tiens, le verre de terre. Allez, bye, Odyssée, je vais te déchirer. Rêve toujours, Loser, je quitterai la prison et tu resteras ici pour toujours. Oh, c'est parti. Ah, dis-moi, de la chance, voyons ce que Odyssée obtient, d'accord? D'accord, qu'est-ce qui est tombé? Oups. T'as de la glace, Odyssée? Non, mince, je vais geler encore plus maintenant. Tu vas devoir tenir un morceau de glace dans chaque main jusqu'au prochain tour. Comment ça, jusqu'au prochain tour? Ils sont très froids. Ok, Dimon, tu n'as plus de boisson, donne-moi une canette. T'as bu tout ce que tu pouvais, donne-la-moi vite. Oh, donne. Il reste encore un peu, s'il vous plaît, madame. Prochain tour pour Dimon. Dimon, t'as le radiateur électrique. Quoi? Quoi? Un radiateur? Je vais brûler ici. Oh, je verrais mieux de prendre un radiateur parce que je suis gelée. J'ai du chauffage ici, j'ai une cheminée là-bas. Je ne peux pas le supporter, je vais brûler vivant. Oh, oh. La glace a presque fondu et j'ai encore plus froid. Et maintenant, je me demande quelle prison est la meilleure, la froide ou bien la chaude? Qu'en pensez-vous? Écrivez dans les commentaires, nous lisons tous les commentaires. Mes amis, je suis presque épuisé. Ce radiateur m'a fait transpirer encore plus. Regardez-moi me baigner dans ma propre sueur, les gars. Oh, oh mes amis, qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils fondent plus vite? Oh, j'ai trouvé quelque chose. Je peux fermer mes mains, ils fondront plus vite. Il fait froid. Mes amis, si vous vous demandez pourquoi je m'éloigne pas du chauffage, j'ai une cheminée ici, et c'est encore pire. J'essaie donc de me mettre à l'aise pour qu'il ne fasse pas trop chaud. Mais je vais être honnête, mon plan ne fonctionne pas, les gars. Je n'en peux plus, mes amis, j'ai hâte qu'il fonde. Oh, les amis, vous savez à quel point je suis en sueur. Regardez, c'est toute ma sueur. C'est tellement désagréable. Je la touche et je suis dégoûté. J'ai hâte de sortir de cette prison, d'aller aux toilettes, de prendre une douche froide et de me débarrasser de toute cette sueur. Parce que c'est horrible, j'ai plus la sueur. Mes amis, s'il vous plaît, mettez un like pour faire preuve de votre amour. Parce que je me sens vraiment mal. Je meurs de chaleur et de l'odeur. Dis-moi, tu dois rester comme ça jusqu'au prochain tour.
Et toi, Odyssée, comment tu te sens? Voilà, ça a presque fondu. Très bien, tu peux le jeter. C'est la fin du tour. Recommençons le prochain. Au revoir, les amis, je vais jeter la glace. Parce que je ne sens plus mes mains. Voyons ce que t'obtiens maintenant. T'as du tabasco, Odyssée? Oh, les copains, je pense que c'est bien parce que ça va me réchauffer. Je vais mettre 5 gouttes de tabasco dans ta bouche. Super, ça va me réchauffer. Super, je me réchauffe. Heureusement que le tabasco ne m'est pas tombé sur moi. Madame la policière, sortez le radiateur d'ici. J'ai réussi. Bravo, Odyssée. Maintenant, voyons ce que Dimon va faire. Est-ce que tu as bien le zèle? Voulez-vous reprendre le réalisateur puisque le rang est terminé? Ouais, je le ferai. Nous allons commencer le prochain. Allez, Dimon, voyons ce que t'obtiens. T'as de la soupe chaude et épicée! Non, les gars, pourquoi je suis si malchanceux? Ah, Dimon, tu l'as bien mérité. Abandonne déjà! Odyssée, je n'abandonnerai jamais. Regarde ce que j'ai là. De la soupe. Et je vais en manger pour gagner. C'est vraiment épicé. Je sais pas comment le manger. Il y a tellement de piment de là-dedans. Tu croyais que c'était facile? Maintenant, mange tout. Je ne peux pas, mais je vais tout manger. Il n'est pas question que j'y renonce. Odyssée, voyons ce que te vient pendant que Dimon mange. T'as le Happy Meal. Oh, super. Où est les copains? Madame la policière, j'ai presque fini. Regardez ça. De rien, Odyssée, t'es un sacré bonheur. Oh, quoi, c'est cool. Je suis curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais l'ouvrir. Jette-toi un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de gobelet? Ah, c'est bien fait pour toi. J'ai toujours les bons cadeaux au Happy Meal. Et puis j'ai fini et je n'ai pas abandonné. Au moins j'aurai un burger. Allez, Dimon, c'est ton tour. Et t'obtiens le piment. Quoi? Encore un truc épicé? Je suis déjà en train de paniquer, ce n'est pas juste. S'il te plaît, mange tout. Ah, je vais tout manger et je le fais pour vous. Et vous allez vous abonner à la chaîne pour moi, d'accord les copains? Je vous aime. Ça brûle. Je ne peux plus. Aujourd'hui, les garçons seront dans une petite prison et les filles dans une grande prison. Celui qui sortira le premier de prison gagnera 1000 euros, les amis. Ouais, mais on est dans une petite prison et ce n'est pas juste. Dis-moi, on est des mecs, on est constant, on fait, on va les démolir. Arrête d'agir, mec. Ouais, je suis d'accord. On est des filles, mais on est plus intelligentes que vous. Exactement, on va utiliser notre intelligence, sortir ici en premier. Allez, enfin, on commence par nous, par les garçons. Non, nous cédons la place aux filles, c'est parti, allons-y. Alors... Oui, je me demande ce qu'on va avoir. Une pioche. Tenez, les filles. Merci, au revoir. C'est parti. Allez, Marie, allez. Oh mon Dieu, c'est si dur, Chris. Vas-y, plus fort. Oui, laisse-moi essayer aussi. Bien sûr, Chris, voilà. C'est parti, c'est mon tour. Raphaël, viens, c'est notre tour, allez, viens. Ouais, bien sûr, c'est parti. On veut que quelque chose de bientôt. Le pic de Tertiaire. Ouais. Apporte-le. Les amis, cet outil, on peut détruire beaucoup de choses. Et pendant que les filles se font là-bas. Voilà. Laisse, donne-moi. Allez, donne-moi, je vais casser. Allez, non, c'est tout moi casser, qui vais casser. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Ouais, vas-y, toi. Mais bien, vas-y, il est trop nul, regardez, ça va mettre deux plombs avec lui. Casse-le, c'est ça. Les filles, votre temps est écoulé, passons au tour suivant, allez. Allez, en variant, c'est parti. Êtes-vous prêts? Stas, je suis déjà fatigué, donne-moi ça, laisse-moi faire. Couteau, les filles. C'est bon, mauvais fourneau, Chris. Je ne sais même pas, je pense que c'est pratique. Pour être honnête, nous nous sommes entraînés à couper des pommes de terre, des carottes et d'autres chaises. J'espère qu'on peut faire quelque chose. Oui, on est des filles, on sait cuisiner. Allez, Fario, apporte. Mais attention, s'il vous plaît. D'accord. Chris, je pense qu'on peut aiguiser nos ongles. Qu'est-ce que t'en penses? On verra, bien, oui. Bien, je vais voir. Oui, tu vois ça, Oui, on verra bien. Essayons de couper le mur maintenant, non? Oui, alors.
Allez, commence, c'est bien, tu te débrouilles bien et nous ne faisons que commencer. Oh, c'est super. Très bien. Écoute, Chris, si on continue comme ça, on sortira vite. Je vais essayer. Tu penses vraiment, toi? Attends, c'est mon tour. Chris, tu n'y arriveras pas, ça ne sert à rien. Pourquoi à rien? Donne-moi ça, tu sais, tu ne sais pas couper de toute façon, toi, Chris. Les gars, votre temps est écoulé. Rendez-moi le pic et c'est parti pour le prochain tour. Allez. Oh, les gars, vous avez une disqueuse. On va commencer maintenant, on va tout y arriver, on va tout défoncer. Ouais. Une disqueuse, tenez. Ouais, parce que ça, c'est un travail. Et pourquoi encore toi et pas moi? Mais oui, mec, c'est un travail masculin, je suis un super mec. Et qu'est-ce que tu veux dire par là, imbécile? Rien, je vais commencer, je suis stage le plus fort, je stage le plus débile, qu'est-ce que tu crois? D'accord, d'accord. Mais ouais, c'est moi la moitié de service. Et ouais, vous allez voir, c'est un travail pour moi. Quand un masque, se protège le jeu. Ouais, c'est parti. Ouais. Yeah, wow. Comment ça va, les filles? On est en train de gratter nos noms sur le mur apparu. Regarde, Maria et Chris. Très bien. Votre temps est écoulé. Rendez-moi le couteau. Bah tiens. On passe au prochain tour. Les filles, vous avez le feu. Le feu. Et qu'est-ce qu'on fait avec le feu? Attention, tenez-le. Ouais. Mario, on a peur. Ouais, moi aussi j'ai peur. Je l'éteins et vous l'allumez vous-même. C'est parti. On ne peut pas se passer du feu. J'ai peur du feu, moi. Allez, Maria, déporte comme ça, vas-y. Oh mon Dieu, on va brûler. Regardez ce que les gars font en ce moment. Vous voyez à quel point ils essaient de gagner ce défi. Et vous pouvez les aider à y parvenir. Soutenez-les en mettant vos likes, en vous abonnant, mes amis. Parce que les gars, c'est pour vous. Et vous pouvez vous abonner et leur mettre un like. D'accord, les amis? Je peux compter sur vous. Bravo! Stop, stop, stop. Votre temps est écoulé, les gars. C'est terminé, c'est bon. Arrêtez. Enfin, nous avons cassé beaucoup. Mais les gars, il n'y a plus rien. On peut plus respirer, là, maintenant. C'est parti. Les gars, vous avez une hoche. Oh, c'est la troisième fois qu'on a quelque chose de pratique. Oui, on va gagner, c'est sûr. Ok, dis-moi, il est temps de gagner 1000 euros. Et les filles vont perdre. Mais oui, ça va bien, les perdantes, ouais. Les filles sont des perdantes, on est les plus cons. Et on va gagner, c'est vous parti, allez voir. Allez-y, allez-y donc. Allez, vas-y, dis-moi, laisse-moi faire, s'il te plaît. Encore? Allez, allez. Allez, ouais. Allez. Et voilà, c'est ça, regarde comme ça se casse. Regarde. Ouh. Les filles, c'est bon. Votre temps est écoulé. Rendez-moi tout. Enfin, reparions, nous n'en voulions plus du tout. C'est très dangereux. Allez, on va voir ce que vous allez obtenir maintenant. J'aimerais bien qu'on ait du rouge à lèvres, par exemple, parce que Chris a déjà mangé le tien. Oui, ou du vernis à ongles, parce que mes ongles sont à refaire. Oui, j'aimerais bien rafraîchir les miens. Vous avez des gants de boxe. Qu'est-ce que tu racontes, Mario? On voulait du rouge à lèvres et du vernis à ongles. Voilà, tenez. Et nous obtenons des gants de boxe à la place. Je n'en ai aucune idée. Attends, on va d'abord les mettre. Vas-y. Regardez mes amis, j'ai déjà cassé beaucoup de couches. Il me reste une dernière couche et je vais en faire un gros trou. Les amis, vous voyez? On est sur le point de gagner, les garçons. Sur tête. Pourquoi ça ne se casse pas? J'ai vu une vidéo sur le TikTok et c'était beaucoup plus facile. Oui? Et pourquoi nous ont-ils pas donné des gants roses et les rouges ne sont pas sortis? Non, je veux des violets. Je veux des roses. Ah! Aidez-moi, allez, je commence à fatiguer, mec. Allez, 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 je vais continuer pour toi. Ok, plus fort du monde, bravo. C'est bien, ouais. Les amis, vous voyez, nous sommes sur le point de gagner. Les gars, on va à toute vitesse. Les filles, on y va. Les gars, votre temps est malheureusement écoulé. Oui, prends ça, quelque chose de bien, hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de bien, mais vous aurez quelque chose, c'est sûr. Les gars, vous avez une tête. Oh, Stas, c'est celui-là qu'il te faut. Pourquoi moi, du monde? Parce que tu as une tête vide et tu n'as pas de cerveau. C'est pour ça qu'on l'utilise ici. Ok, du monde, t'as raison, je suis un peu débile, je sais, ouais. Allez. Ça fait un peu mal, mais c'est bon. J'ai un peu le vertige, j'ai une idée un peu con. Je vais sortir la tête dehors, ok? Hop là, les amis, on est déjà à deux doigts de gagner. Regardez, je vais gagner maintenant, on va y arriver. Allez, Maria, tu vas y arriver. Tu vas y arriver.
filles, votre temps est écoulé. Eh bien, s'il vous plaît, rendez-le-moi. Maintenant que je commence à mieux faire Ravario. Ah, c'est pas mon problème. Et nous passons au prochain tour. C'est parti. Allez. Ouais, c'est... Ok, c'est bien. Un marteau, les filles, c'est un marteau. Vraiment? Oui. Vraiment, on va y arriver, on va y arriver, oui. Regardez, ne frappez pas comme ça. Frappez avec ce côté, c'est une astuce, c'est compris? Nous ne sommes pas aussi stupides que tu le crois, Raffario. Je le savais sans lui. Allons-y. Oh, super, les copains. Encore, encore. Allez, on y va. Super, le marteau fait tout seul. Je n'ai pas besoin de vous casser la tête. Je ne regarde même pas ce que je fais. T'as raison, Maria. Continue, ouais. Allez. On perce ce mur, allez. Oh, les copains, j'ai fait un trou dans le mur. Mes amis, je vous vois. Très bien, les amis. Le prochain tour commence. Voyons ce que vous obtenez maintenant. Pas une nouvelle tête, j'espère. Et pas les ciseaux, tout ça, ça sert à rien. Oh, une pastèque. Quoi? Une pastèque. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec une pastèque ici? Les amis, quoi? Je comprends pas. La manger? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Il faut qu'on sorte d'ici. Mais peut-être qu'il y a un outil secret à l'intérieur de la pastèque. Ah, tu crois? Peut-être. Voyons, la voilà. Elle arrive, ouais. Regarde. Attention, c'est une pastèque magique. Allez. Regarde, on va y arriver. Dis-moi, qu'est-ce que ça lance ça? Voilà. Stas, la pastèque ne sert à rien, elle nous aide pas du tout, c'est juste une arnaque. Dis-moi, je crois que t'as raison, ça sert à rien. Dis-moi, regarde. On l'a cassé, non? Serre-toi, reprends l'eau de force. Vas-y, ouais. Encore mieux, bon. Ils sont fous. Et les filles, votre temps est écoulé, rendez-moi le marteau. Alors. Bah voilà. Et c'est parti pour le prochain tour. Du prime. C'est une boisson énergisante, prime, les filles. Ouais, on a juste besoin d'une boisson énergisante. Ouais, je meurs de fatigue, je n'en peux voilà. plus. Tiens, Chris, prends le rouge de la sève. Merci beaucoup, je voulais justement le rose. Voyons. Juste ce qu'il nous faut, les amis. Maintenant, on va faire le plein d'énergie. Super, mais maintenant qu'on a bu Chris, comment on casse le mur? Avec des bouteilles vides ou quoi? Bien sûr que non, Maria. Nous allons faire le plein d'énergie pour le prochain tour. C'est logique, oui, t'as raison. Tu vois? Les gars, passons au tour suivant. Voyons ce que vous allez obtenir maintenant, d'accord? Quelque chose de pratique, nous avons déjà un énorme trou, encore un outil efficace et on sera libéré. Ouais, on a mangé, on a de l'énergie. C'est une pelle, les gars. C'est une pelle. Oh, c'est incroyable. Ouais, c'est cool. Ouais. Tenez. Hop. Oh, là. Vas-y, frappe. Mais vous allez voir ce que je vais faire. Vas-y. Ouais. Frappe. Vas-y, ouais. Encore. Ouais. Vas-y. Regardez, les gars, j'y passe presque. Regardez, Ouais, encore un petit peu, mais on va y arriver, on va gagner. Vas-y, frappe. Hop. Raffario, nous avons fini nos primes, nous sommes prêts. Ouais, pas de problème. C'est le prochain tour. Allez. C'est parti. C'est une hache, les filles. Allez, Chris, tu vas y arriver! Et c'est parti! Comme ça? Hein? C'est un peu lourd! Mais ce n'est pas grave! Ouais. Chris, laisse-moi faire! Oui, tiens! Et Chris, oh, regarde comment elle voit bien faire! Tiens! Hé, tu te débrouilles bien, Maria! Bravo! On va sortir d'ici, Chris, on va gagner 1000 euros! C'est bien, frappe fort! Salut les copains, on va bien te sortir d'ici! Allez, Stas, frappe, en bas, c'est ça. Très bien. Allez, tu peux, c'est passé. Très bien, vas-y, on sort. Ouais. Stas, vas-y, pousse. Allez, gros. Pousse. Toi aussi, sors, vas-y, sors. Les amis, regardez comment on fait bien, il ne reste plus beaucoup à faire, nous sortirons d'ici. Oui, enfin, oui, allez, plus fort, il faut qu'on sorte d'ici. Je fais de mon mieux. Yeah,
Vas-y, Stassa, vas-y. Vas-y, sors, allez, plus vite, vas-y. Vas-y, encore. Tourne-toi sur le côté, vas-y. Vas-y. Ouais. On a gagné. Les gars. Allez, salut les filles. On a gagné. J'aime le fric, sachez-le. Salut les gonzesses, on doit tout gagner. Loser.